La mort de sa femme et de son fils a fait vivre à Jean Gavin dans le tourment pour le restant de ses jours. Jean Gavin était un acteur français talentueux qui a connu le succès dans les années 50 et 60. Il a joué dans de nombreux films et est devenu une véritable vedette à l'époque. Cependant, la vie de Jean Gavin a été marquée par une tragédie qui a profondément affecté sa carrière et sa vie personnelle. Cette histoire relate la vie tragique de Jean Gavin, depuis sa montée en puissance dans l'industrie cinématographique jusqu'à la tragédie qui a bouleversé sa vie, sa descente aux enfers et sa tentative de reconstruction et de rédemption. Jean Gavin est né le 16 janvier 1918 à Saint-Mandé, en France. Il a grandi dans une famille modeste et a commencé à travailler dès l'âge de 16 ans pour aider financièrement sa famille. Cependant, il était passionné par le cinéma et a décidé de suivre sa vocation en rejoignant une troupe de théâtre itinérant à l'âge de 19 ans. Cela l'a emmené à se produire dans des pièces de théâtre à travers la France et lui a donné une expérience précieuse dans le monde de la performance. Finalement, il a attiré l'attention des réalisateurs de cinéma et a commencé à jouer dans des films dans les années 40. Jean Gavin a connu une carrière prolifique dans l'industrie cinématographique française avec plus de 70 films à son actif. Il a travaillé avec certains des réalisateurs les plus renommés de son époque, notamment Henri-Georges Clouzot, René Clément et Jean-Pierre Melville. Il a joué dans une grande variété de films, notamment des drames, des thrillers et des films d'aventure. Il a souvent interprété des rôles de héros romantiques ou de détectives intrépides avec un charme naturel et une présence charismatique à l'écran. Certaines de ses performances les plus mémorables comprennent son rôle dans le film Le salaire de la peur de Clouzot, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1953, ainsi que ses performances dans les films Plein soleil de Clément en 1960 et L'armée des ombres de Melville en 1969. Au sommet de sa carrière, Jean Gavin était considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus populaires de l'industrie cinématographique française. Cependant, sa vie a été marquée par une tragédie qui a profondément affecté sa carrière et sa vie personnelle. La tragédie qui a bouleversé la vie de Jean Gavin a eu lieu en 1971, lorsqu'il a été impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme et à son fils. L'accident s'est produit alors que sa famille était en vacances dans le sud de la France et Jean Gavin était au volant de la voiture. L'impact de ces événements a été dévastateur pour Jean Gavin. Il a été accusé de conduite en état d'ébriété et a été condamné à une peine de prison de 18 mois, dont 6 mois à ferme. Après sa sortie de prison, il a eu du mal à retrouver du travail dans l'industrie cinématographique et sa carrière a commencé à décliner. En plus de la perte tragique de sa femme et de son fils, Jean Gavin a également lutté contre une addiction à l'alcool pendant de nombreuses années. Cette lutte a eu un impact négatif sur sa vie personnelle et professionnelle et il a eu du mal à se remettre de la tragédie qui avait bouleversé sa vie. Bien que Jean Gavin ait connu de nombreuses difficultés tout au long de sa vie, il a finalement réussi à se réinventer et à se faire une place dans l'industrie cinématographique française. Dans les années 90, il a été invité à jouer des rôles dans des films indépendants et des projets artistiques expérimentaux. Ces films ont été acclamés par la critique et ont contribué à relancer la carrière de Jean Gavin. Il a également travaillé comme professeur de théâtre et a aidé à former une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices en France. En 2003, il a été honoré pour l'ensemble de sa carrière lors du Festival de Cannes. Cette reconnaissance a été un tournant dans sa carrière et a renforcé sa position dans l'industrie cinématographique française. Malgré tout, Jean Gavin a tenté de se reconstruire et de retrouver sa place dans l'industrie cinématographique. Il a continué à travailler dans des films jusqu'à sa mort en 2014 à l'âge de 92 ans. Sa vie tragique reste un rappel poignant de l'importance de faire face à l'adversité et de trouver la force de continuer à avancer, même lorsque la vie nous met à l'épreuve. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré et rappelé l'importance de la persévérance et de la passion dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant sur l'histoire et la culture française. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Merci de nous suivre.